Ah, vous êtes déjà là, vous. Ah oui, mais il faut prévenir aussi. J'ai même pas eu le temps de régler la caméra et tout. Ah oui, mais je bois mon petit cacao. Ouais, cacao, je suis encore un enfant. Ah, mais il faut prévenir. Ah, vous êtes déjà là, alors. Bon, bah. Installez-vous, alors. On va parler du match. Yo la team, et bienvenue dans le match. Hein, le match numéro 11. Eh oui, cette fois-ci, il faut faire plusieurs gestes. Cette fois-ci contre le FC Nantes, vous l'aurez bien compris, avec la petite tasse de Salah, le petit chant en début de vidéo. Toujours en 4-2-3-1, hein, cette fois-ci, ben ça ne change pas, ça ne change toujours pas. Onky Jack a 81 de général, donc il peut nous sauver sur ce match. Allez, on va passer au match. Donc on est parti pour le 11e match de la saison contre le FC Nantes. Cette fois-ci, on n'a pas trouvé de supporter adverse, malheureusement. Du coup, on a joué contre l'ordi. Malheureusement, on prend un but à la 6ème minute. L'ordi qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Honnêtement, il est plus fort que ce que j'ai pu affronter. Bon, pas tous les matchs, hein, mais plus fort que la moitié des matchs que j'ai affronté dans le match avant le match précédent. Parce que là, j'ai mis en légende mode compétiteur, donc forcément, c'est compliqué. Même si là, 16ème minute, on va réagir avec Habib Maïga qui va mettre une grosse mine barre rentrante qui fait plaisir, qui nous permet d'égaliser. Mais vraiment, vraiment, c'est dur. Hein. Vraiment, c'était pas simple. Contre ce FC Nantes qui n'ont pas non plus la pire équipe de Ligue 1, aussi, il faut le dire. Et Metz, bah, dans le jeu, c'est pas ce qu'ils proposent en vrai, on va dire. Ça pourrait être mieux. Ah, l'image de Boulaya, hein. Boulaya qui, sur son pied gauche, coupe complètement alors qu'il est à 5 mètres du gardien, mais bon, c'est pas grave, on a encore le temps de se refaire. À l'image de la 39e minute avec Ibrahim Agnène qui va mettre un petit piqué sur Lafond, le gardien du FC Nantes. 39e minute, même 40e, 2 buts à 1 pour le FC Metz, quasiment juste avant la mi-temps, hein. On arrive à mener au score, même si Moses Simon, à la 45e minute, égalise juste avant la mi-temps, donc 2 buts partout. C'est pas démérité, clairement c'est pas démérité pour Nantes non plus. On a pas fait le match de notre vie. En même temps, contre l'ordi, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal. Je sais pas que je m'ennuie en jouant contre l'ordi, mais j'ai pas les mêmes sensations, j'ai pas les mêmes techniques, on va dire. Voilà, vous voyez, un tir cadré, 2 buts, bon, on a eu de la chance. C'est peut-être d'ailleurs sur la frappe de Nian qu'elle doit être contrée, ou il doit y avoir quelque chose comme ça pour pas qu'elle soit comptée comme cadrée. Par contre, il y a eu très peu d'actions dans le match. Voilà, comme vous le voyez, la 51e, première action de seconde période. Et après, il n'y en aura pas énormément. Voilà, la 60e, encore une fois pour Nantes, avec Oukidja qui s'interpose, hein, sur la frappe. Heureusement, la question 80 général nous aide un petit peu, on va pas se cacher. Même là, la 60e, la frappe juste après, il nous sauve encore. Et vu que ça allait pas, je voyais clairement ça allait pas du tout dans l'équipe. J'ai mis Wagner à droite et la nouvelle recrue Léa Iseka en pointe. Donc on essayait, hein, de faire bouger les choses. Et c'est pas avant la 86e minute qu'il y aura la prochaine action du match. Et oui, on s'était quitté sur la 60e minute sur l'action précédente. Et là, bah, c'est Aaron. Ah, je sais plus. Ouais, non, c'est Aaron Léa Iseka. Ouais, j'ai encore du mal à maîtriser son nom. Qui vient permettre au FC Metz de marquer le 3e but de la rencontre et de mener au score à la 87e minute, juste avant la fin du match. Hein, et puis Wagner Diaz qui est parfaitement lancé par Farid Boulaye, mais bon, qui va l'envoyer, on ne sait où. Hein. Là, on est à Nantes, elle est peut-être revenue à Metz, là, je l'ai vu passer là dans mon jardin. Mais bon, c'était plutôt un bon match quand même. Hein, victoire 3-2 contre Nantes, contre l'ordi, qui était compliqué à jouer, honnêtement. C'était pas simple. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une victoire, encore une. Il faudrait que je compte toutes les victoires depuis le début de la saison. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça ferait plaisir, à vous abonner, même me rejoindre sur Twitch. Hein, j'ai tout dans la description, tout qui est mis. Donc, c'était le Cambrena, les gars. Allez, ciao.